Deutéronome, chapitre 14. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Ne vous faites point d'incision, et ne vous rasez point entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, pour que tu lui sois un peuple particulier. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, le mouton et la chèvre. Le cerf, la gazelle, le daim, le chamois, le chevreuil, le bœuf sauvage et la girafe. Et vous mangerez d'entre les animaux tous ceux qui ont l'ongle divisé, le pied fourché et qui ruminent. Seulement voici ce que vous ne mangerez point d'entre ceux qui ruminent et d'entre ceux qui ont l'ongle divisé et le pied fourché. Le chameau, le lièvre et le lapin, car ils ruminent, mais ils n'ont point l'ongle divisé, ils vous seront souillés. Le pourceau aussi, car il a l'ongle divisé, mais il ne rumine point, il vous sera souillé. Vous ne mangerez point de leur chair, et vous ne toucherez point leur cadavre. Voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles, mais tout ce qui n'a point de nageoires ni d'écailles, vous ne le mangerez point, cela vous sera souillé. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez point, l'aigle, l'orfraie, le vautour, l'autour, le faucon et le milan selon son espèce, et tout corbeau selon son espèce, et l'autruche, le coucou et la mouette, et l'épervier selon son espèce, la chouette, le hibou, le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne et le héron selon son espèce, la huppe et la chauve-souris, et tout reptile qui vole vous sera souillé. On n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes. Et il la mangera. On la vendra à un étranger. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop loin de toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, et tu serreras l'argent en ta main. Tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu donneras l'argent en échange de tout ce que tu désireras, gros ou mini bétail, vin ou boisson forte, et tout ce que tu souhaiteras, et tu le mangeras là, devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et tu n'abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion ni d'héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite, qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, viendront et mangeront, et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute ton œuvre que tu feras de ta main.